Non, là, je vous emmène à une de mes cantines préférées, qui est l'Agrabah Café. Alors, ça n'a pas toujours été un restaurant. Avant, ça s'appelait Adventureland Bazaar. On voyageait au pays des mille et une nuits. D'ailleurs, regardez bien, les fresques sur les murs représentent différents personnages des mille et une nuits, ainsi que quand on rentre dans Adventureland, les girouettes placées au-dessus des dômes représentent également des personnages des mille et une nuits. Donc, à l'origine, on avait trois magasins dans le Adventureland Bazaar. On avait la Reine des Serpents, les Trésors de Scheherazade, qui est toujours présent, et les Shops d'Aladin. Le seul magasin restant des trois d'origine. À l'intérieur, vous avez un chameau en bois. Dessus, on a une selle. Elle est juste colossale et elle est authentique. Ils ont eu beaucoup de mal à la trouver. Elle vient d'Égypte. Bienvenue. À l'intérieur, une des salles, on se croirait dans la tente d'un riche bédouin. C'est juste grandiose. Les salles sont thématisées, sont très différentes les unes des autres. Cette cour intérieure, elle est juste superbe. Qu'il fasse chaud ou l'hiver, généralement je crois qu'il la ferme l'hiver, mais s'il ne fait pas trop froid, vous pouvez quand même y aller. On est vraiment dans un autre univers. C'est le restaurant, la grille est tout enfermée. Par contre, juste à côté, en mangeant, on peut voir généralement, on a Jasmine et Aladin. À tout à l'heure. Au revoir, à bientôt. Merci, bonjour les mecs. Merci, à bientôt. La cuisine,
que dire de la cuisine? Ma spécialité, c'est couscous royal. J'y vais à chaque fois, je peux aller jusqu'à 3 assiettes, bien remplies, avec 2-3 merguez à chaque fois. Donc la cuisine est essentiellement méditerranéenne, mais vous pouvez également, si vos enfants ne sont pas portés sur ce genre de plat, vous pouvez également trouver des pâtes, vous avez du poulet, il y en a pour tous les goûts. Donc c'était une galerie avec 3 magasins de 1992, l'ouverture du parc, jusqu'à 1999, où ce sera fermé, on aura des travaux assez conséquents pour devenir un restaurant. Les travaux conséquents concernaient bien sûr la création des cuisines, l'aménagement avec les tables pour que les gens puissent s'installer et manger confortablement. Mais autrement, au niveau de la thématisation, rien n'a bougé. Vous êtes vraiment dans les rues des pays, au milieu de nuit. On est au milieu de nuit, tout simplement. On n'est même plus à Adventureland. On voyage dans le temps, on est dans un autre univers. Je vous recommande le thé à la menthe. Il est excellent. Regardez les théières, les verres sont magnifiques. C'est un pur bonheur. Ah oui, alors petite précision, c'est un lit très confortable, moi j'adore. Petite précision, c'est un buffet à volonté, vous avez pu voir au niveau de la plaquette. Donc éclatez-vous la panse. J'espère que cette petite visite vous a plu. C'est un de mes endroits préférés, j'y vais régulièrement, je vous le recommande. Pour la quantité, le prix, ça vaut vraiment le détour. Les boissons ne sont pas à volonté, si vous prenez un coca, vous n'avez qu'un coca. Quand vous avez le thé, je vous recommande encore une fois. Bah sur ce, à bientôt et bon appétit. Bye bye. Je vous recommande les carottes au miel. Je me réponds à chaque fois, c'est juste un pur bonheur, mais le choix est juste colossal. Les desserts, la même chose, vous avez vraiment de quoi faire.